d'été, la famille de James et Lia accueille un nouveau bébé, Diane. Léon et Lisa sont très contentes d'avoir une petite sœur. Ouais, je suis contente d'avoir une petite sœur. C'est génial. Elle est trop belle, ma petite sœur. Pendant ce temps-là, Jonathan et Laura préparent leur buffet de leur mariage avec leur fille Raphaël. Il leur manque des œufs. Alors ils vont en demander chez la voisine, Elodie et Colette. Et Louis est là aussi. Les voisines sont ravies. Laura et Jonathan les invitent donc à leur mariage. Chérie, il nous reste des œufs ? Non, il n'y en a plus, mon petit poulet. Papa, maman, et si on allait en chercher chez la voisine ? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous aurez des œufs à nous prêter, s'il vous plaît? Oh, salut, Louis. Tu le connais, lui? Oui, c'est le petit voisin. Maman, je pourrais aller chercher des œufs pour les voisins? Bien sûr, mon petit poussin. Merci beaucoup. Puisque vous me dépannez, venez à notre mariage. Le soir, pendant le bal, Raphaël tombe et se blesse. Elle se fait une entorse à la cheville, mais sur le coup, elle dit qu'elle n'a pas mal et va se coucher. Le lendemain matin, sa cheville est toute gonflée et elle pleure. Sous l'équateur du Brésil. Aïe, ma cheville. Raphaël, tu t'es fait très mal. Non, ça va aller, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Salut, bonne nuit. Papa, maman, j'ai trop mal à la cheville ce matin. T'inquiète pas, ma petite chérie. On va t'emmener à l'hôpital. Ils se rendent à l'hôpital pour examiner la cheville de Raphaël. Ils rencontrent la famille de Diane. Ce sont leurs anciens voisins qui avaient déménagé à la campagne pour monter un ranch. Ils les félicitent pour ce nouveau bébé. Et les invite au retour de mariage. Oh, nos anciens voisins! Bonjour! Bonjour. Et vous avez un nouveau bébé? Oui. On vous présente Diane. Ah, il dit, bébé. Il est très beau, votre bébé. On est en train de se marier. Venez à notre retour de mariage. Avec plaisir. Avec plaisir. Raphaël a un bandage pour sa cheville et elle se sent mieux. Voisins et amis fêtent tous ensemble leur mariage. La famille de Diane invite les nouveaux amis à vivre avec eux. Oh Raphaël, ça va mieux ta cheville? Oui, t'as vu, j'ai un bandage, je me suis fait une entorse. Mais je peux quand même courir. On va jouer? Vite marié! Je vous félicite, tous mes voeux de bonheur! Longue vie aux mariés. Ouais ! L'idée les séduit et le temps de s'organiser, ils décident d'accepter la proposition. Les amis se retrouvent et arrivent avec leurs affaires pour une nouvelle vie. Soyez les bienvenus, je suis bien content que vous venez vivre avec nous. La vie au ranch est paisible. Les enfants pratiquent l'équitation et s'occupe des chevaux. James dresse des chevaux sauvages. Il y a des cours de voltige. Bref, tout le monde est heureux. Quel plaisir de vivre tous ensemble à la campagne. Disons ma poule, est-ce qu'il reste des œufs?